Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. On va apprendre à créer des brushes parce qu'on m'a demandé de trouver un site avec des brushes dedans, mais je trouve que c'est vraiment plus simple de les créer soi-même, comme ça on a libre choix. Et puis voilà, donc on va commencer. Donc vous avez besoin du logiciel Photoshop, voilà, vous allez créer un nouveau calque. Je vous conseille de prendre donc un nouveau calque avec une très grande largeur, très grande hauteur, une très grande résolution, pour que ça fasse pas trop dégueu si vous faites des gros projets, pour pas qu'il y ait une résolution de merde. Donc vous allez prendre donc ce nouveau calque, vous allez faire votre forme. Donc on va imaginer que nous voulons peut-être une sorte de blason, non je ne sais pas, une forme totalement moche, voilà comme ceci. Nous allons le peindre, alors très très important, le peindre en noir pour que ça marche. Parce que les autres couleurs, il y a des problèmes. Donc voilà, faites-moi confiance, il faut prendre du noir. Donc vous avez votre forme. Et ensuite, très très simple, vous allez faire édition. Ensuite, vous allez faire définir la forme prédéfinie. Et vous allez choisir le nom de la forme que vous voulez. Donc imaginons, je ne sais pas, test pour tuto. Voilà, comme ceci. Vous faites OK, et voilà, c'est enregistré. Donc on va tester tout ça. On va par exemple remplir le fond de couleur verte, voilà, et ensuite on va colorier avec cette forme. Donc par définition ce sera le dernier de la liste, donc ici vous avez une liste, voilà, ce sera le dernier, et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer, donc voilà, et hop, vous pouvez, ah mince, excusez-moi, donc là faut bien sélectionner la couleur que vous voulez, parce que si je peins du vert en vert, ça va pas trop le faire, on va plutôt le prendre en blanc par exemple, et hop, vous avez votre forme en blanc. C'est pareil pour toutes les autres couleurs, donc on va prendre du rouge, allez. Voilà, et donc c'est pareil pour toutes les autres couleurs. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez des amis qui aimeraient savoir. Ou vous avez qu'à commenter si vraiment ça vous a plu. Écoutez, moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, bye tout le monde.